Alors, pourquoi je ne... Pourquoi je commence par ici et que je commence pas de l'autre côté, où de l'autre côté, il y a déjà une pièce qui est quasiment bien avancée, la chambre de Jacqueline. Alors tout simplement parce que de l'autre côté, c'est là où il y a les arrivées et les départs de toutes les gaines. Là, oui, on est dans le local technique et on voit bien toutes les arrivées des gaines, gaines de télévision, gaines de téléphone, toutes les gaines électriques arrivent ici. Là-bas, c'est les gaines d'eau, tout ça derrière, là, il y a toutes les gaines d'eau. Elles arrivent à peu près ici et c'est redispatché dans la dalle. Alors le problème, on va regarder en haut, au-dessus. Là, on voit bien toutes les gaines qui arrivent là. Elles arrivent là, descendent, hop. Donc le problème, c'est que si je commence à remplir ici, là, si je remplis de ce côté-là, là où il y a toutes les gaines, et que je continue à remplir au fur et à mesure de l'avancée du chantier, et si je m'aperçois par exemple un peu plus loin qu'il me manque une gaine ou j'ai percé une gaine, qu'il faut en rajouter une, je serai obligé de revenir et de recreuser pour aller en chercher une autre. Donc l'idée, c'est pour ça que l'idée, elle est plutôt. Elle est plutôt de commencer par ici, qui est en fait le bout de la maison, de bétonner tout ça. Toute cette partie là, de continuer par ici et de commencer à remplir de terre, puisque là de toute façon on n'aura pas à y revenir. Hein, j'ai déjà rajouté une gaine. Hein, il y a une gaine qui arrive. Non, celle-là non, mais il y en a une autre qui est prévue d'arriver ici, parce qu'il y aura un petit tableau là dans la buanderie pour redispatcher ici. Donc il y a quand même pas mal de boulot quoi. Voilà, donc ça c'est le projet du mois de février-mars quoi. Février-mars, il faudrait que on est déjà mi-février, mais février-mars, il faudrait qu'on ait avancé sur la projection.